Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez le voir dans cette émission, on va s'intéresser aux ruptures d'approvisionnement qui commencent de plus en plus à affecter la production agricole. Et puis aussi, on verra des solutions pour retrouver un peu des économies sur les intrants et aussi gagner en matière d'autonomie. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, mes petits power boosters, la moisson a commencé chez certains d'entre vous et pour vous détendre dans cette période charnière, on vous a concocté un sujet sur les problèmes causés par la rupture d'approvisionnement chez un viticulteur et également sur l'impact du conflit ukrainien sur le secteur agricole hongrois. Youpi, vive la détente. Alors rassurez-vous, on a aussi des sujets plus légers, notamment des nouveautés chez Kubota et la rencontre avec un agriculteur au parcours bien particulier. Et tout ça, c'est parti après une dose de news, enjoy! Les distributeurs de machines agricoles retrouvent le sourire sur le premier semestre 2022. La progression des prises de commandes de matériel est estimée autour de plus 13% pour le matériel neuf et de plus 15% pour le matériel d'occasion. La croissance des matériels neufs est portée par la prise de commandes des matériels d'accompagnement et les tracteurs, respectivement 32 et 24% des distributeurs déclarant des augmentations supérieures à 15% dans une enquête réalisée par le CEDIMA. Les prix agricoles se sont améliorés en 2021. Mais selon les différentes organisations professionnelles, cette hausse des prix ne compense pas une nette hausse des charges. Si le résultat brut de la branche agricole s'améliore de 16,6%, cela est dû principalement à l'amélioration conjoncturelle des rendements et des prix de vente des grandes cultures. Les autres filières ont des résultats plus mitigés, mais toutes sont confrontées à l'explosion de leurs charges d'exploitation. Vous allez le voir, Kubota lance des pulvérisateurs pour les cultures spécialisées. Kubota lance une nouvelle gamme de pulvérisateurs pour cultures spécialisées, notamment pour la protection contre les ravageurs et les maladies dans les vergers de fruits et de noix, les plantations d'agrumes, de vignes et d'olives. Au total, 6 modèles sont proposés et d'ores et déjà disponibles à la commande. Ils seront présentés pour la première fois au CIMA du 6 au 10 novembre 2022. À présent, mettons le cap à l'étranger. We definitely feel the impact of this situation since we are bordered with Ukraine. Probably the effect is even more intensive. Of course, for the agriculture, the number one effect is the rise of the prices. The grain prices are in the sky. Which can be good for the agriculture producers, but also it has an effect on the shelves of the shops. So prices of the products are rising, and that's a problem that can generate even some inflation. So the whole economy is a little bit shaking. So probably we need some European level answer to that. Well, it's stabilized on a high level of prices, so it's the situation is stable, but it's not as normal. On the machinery market, it has also serious impacts. The prices are sometimes not negotiable. Especially the raw materials are the problematic issues, and also the electronic equipment. So it is very difficult to purchase at this point. Il y a 20 ans, il a fait le choix de quitter son poste d'ingénieur en aéronautique pour se tourner vers l'agriculture. Mettons le cap sur le Lot. Je vous ai trouvé un parcours vraiment étonnant, Nicolas. En 2002, tu étais encore ingénieur chez Airbus et tu en avais marre. Oui, voilà. Et puis j'ai arrêté. Depuis 20 ans, maintenant je suis paysan, je suis trop content. Et Anne-Laure, toi t'étais ? Et moi j'étais dans la banque et j'ai arrêté. Et maintenant je suis paysanne et je suis trop contente. Bon, alors vous vous êtes rencontrés. On est ici, donc tout près de Gramma, dans le Lot. Alors vous avez monté une exploitation un peu particulière. Oui, voilà, c'est une petite ferme, 23 hectares, avec quelques brebis et puis surtout un potager en forme de goutte d'eau pour rappeler le colibri
qui veut faire sa part pour montrer que l'être humain a sa place sur Terre. Et c'est vrai que ce que vous avez fait, c'est qu'il faut avoir des consommateurs et vous savez les faire venir puisque vous avez créé une ferme avec notamment de l'accueil pour les enfants. Oui, on a un petit bar et une aire de jeu pour les enfants parce que le côté social est très important pour nous aussi. On veut que chacun trouve sa place sur notre ferme et puisse en même temps profiter du jardin. Et c'est toi, Nicolas, qui t'occupe de la production ? Ben ouais, moi je me régale à nourrir mon sol. C'est l'objectif principal de mon travail, c'est nourrir mon sol et après ben, c'est lui qui me le rend par l'intermédiaire des légumes. Alors c'est vrai, Nicolas, travailler le sol comme ça pour 3000 m² de potager, c'est quand même super dur. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, tu seras encore capable de le faire ? Dans 10 ans, je pense que je vais avoir du mal et c'est pour ça que, entre guillemets, je m'oriente vers la permaculture. C'est, disons que je m'oriente vers une technique qui me permettra dans 10 ans d'avoir moins de travail physique à faire. J'espère pouvoir continuer ce métier le plus longtemps possible. Et toi, c'est pas vraiment l'étiquette permaculture qui t'intéresse ? C'est de respecter le sol et en respectant le sol, c'est ça qui fera que le travail sera de plus en plus facile. Et ça s'appelle la permaculture, il y en a qui ont mis ce nom-là. Après ça peut être, moi c'est beaucoup l'observation qui m'intéresse. Et puis après, souvent se remonter les manches et puis cracher dans les mains, et puis c'est ça qui fait le boulot. Alors c'est vrai, Anne-Laure, qu'ici aussi il y a des excès de production et l'idée c'est de les transformer. C'est ça, et moi du coup je fais de la transformation. C'est-à-dire que quand on rentre du marché et qu'il nous reste des légumes, je cherche des idées pour pouvoir transformer, soit en faisant de la déshydratation, soit en faisant des pickles, des choses comme ça. Ça permet d'avoir beaucoup moins la pression de devoir vendre pour éviter de jeter. Et puis moi ça m'amuse parce que c'est hyper créatif de pouvoir trouver plein de solutions et d'essayer des choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, puis je m'amuse comme ça. Alors parmi les gens qui nous regardent, il y en a peut-être qui se disent « ouais mais ça ne permet pas de vivre ». Est-ce que vous pouvez prouver que oui, vous en vivez et bien ? Nous on est à deux à travailler sur la ferme, on a 3 enfants et sérieusement moi j'ai l'impression de manquer de rien. Je pense qu'on manque de rien, on est bien, on est dans un joli cadre. Moi ça me va, je trouve que c'est une vie qui est chouette et tout à fait adaptée à la vie familiale, métier de paysan. Et Anne-Laure, tu as envie de dire c'est possible de s'installer sans forcément avoir beaucoup d'investissement ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut, très bien, en regardant autour de soi, en cherchant des idées pour faire différemment et de ne pas se précipiter en se disant « il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça », mais plutôt de se dire « qu'est-ce que j'ai besoin de faire et comment je peux le faire et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution ?» En fait, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de tant de choses que ça. Et puis, il faut être enthousiaste, il faut avoir envie de le faire et il faut être content de pouvoir vivre en étant paysan. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on y en vit très bien. Nicolas et Anne-Laure, merci beaucoup et puis bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Nous sommes partis dans le sud de la France pour aller à la rencontre d'un producteur et pour parler avec lui de rupture d'approvisionnement. Jean-Luc Dumoutier, bonjour. Oui, Jean-Paul, bonjour. Merci de venir nous voir. Alors, vous êtes vigneron ici dans le Var, en appellation Bondol. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de s'approvisionner ? Ah oui, il y a des problématiques un peu difficiles depuis le début de l'année, notamment sur les bouteilles et les cartons. Non seulement qu'il y a une inflation des prix absolument considérable même, et en plus, il y a une pénurie de bouteilles qui pénalise surtout chez nous, où on est un petit peu saisonnier, parce qu'on fait plus de rosé que de rouge. Et je dirais que quand on entre dans la saison, si on n'a pas les bouteilles qu'il faut, on ne vend pas, quoi, tout simplement. Donc vous avez fait des stocks pour cette année, mais l'année prochaine ? Alors, on a eu un peu le nez, et je dirais que... Égoïstement, on a le stock de bouteilles qu'il faut et je continue à l'approvisionner même en anticipant au moins 3 mises en bouteille, sinon plus. J'irai égoïstement parce que j'ai conscience que je favorise cette pénurie. Comme d'autres, hein, on achète pour être sûr de ne pas en manquer. Mais on en a trop, un jour ou l'autre, il faudra bien que ça se dégonfle tout ça. Et en plus, ça doit sûrement alimenter cette hausse de prix. Je rajouterai quand même, je pense que les fabricants de bouteilles, le Covid, la guerre en Ukraine ont eu bon dos pour profiter de hausses, je pense, inconsidérées
et un petit peu, j'irais, sauvage. C'est vrai que souvent, on voit malheureusement qu'il y a une anticipation à la hausse. Toute dernière question, si le ministre de l'Agriculture nous écoute là, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour justement faciliter votre travail ? Alors oui, il y a plusieurs, il y a plusieurs problématiques. Vous savez, on est en France, hein, malgré tout, l'administration est quand même pesante. Et il y a du papier, même si petit à petit, il y a des choses qui se simplifient. Mais moi, je dirais qu'il y a un point, je vois, qui est au jour le jour, c'est la gestion des capsules. Voilà, alors, vous prenez une, vous voyez, toutes les capsules, on appelle ça, enfin, cette capsule, c'est un terme fiscal. Il faut savoir que suivant le type de bouteille, enfin la centilisation de la bouteille, vous avez une capsule différente. 37,5, 50 centilitres, la bouteille 75 centilitres, voire les magnums. Et quelquefois, je dirais que c'est la même capsule qui peut être utilisée en termes, je dirais, en termes de forme et de diamètre. Hein. Donc on est obligé d'avoir tout un tas de stocks là-dessus. Alors naturellement, un jour on tombe en rupture de 50 centilitres, il faut recommander que des 50 centilitres, il y a des minimums de commandes, enfin, je dirais que c'est compliqué, on a des points de stock différents, enfin, je dirais qu'il faudrait trouver, alors je sais qu'il y a des vignerons indépendants qui se sont penchés un peu là-dessus, il y a eu des progrès qui n'en sont pas, en fait, on peut envoyer des bouteilles sans timbre fiscal, il faut accompagner ça, bien entendu, de papier, enfin, c'est encore un truc compliqué. Il faudrait trouver une solution simple, une capsule, quelle que soit la bouteille. C'est un habillage, voilà, comme une étiquette, quelle que soit la bouteille. Tout simplement. Bon, ben, très bien, ben, on fait passer le message au ministre de l'Agriculture, voire au ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà, ben, écoutez, merci de votre passage. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner aussi à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.